Le fil bleu, c'est la partie visible de l'appareil. Quand la dorade est endormie, un émetteur est implanté à l'intérieur de son corps. À partir de là, chaque dorade émet un signal sonore qui lui est propre. Nous, on a une approche qu'on appelle une approche de télémétrie acoustique. C'est-à-dire qu'on va mettre dans l'eau des petits appareils qui vont écouter des bruits. En d'autres termes, je vais avoir des hydrophones dans l'eau et on verra à quel moment quel poisson est passé à quel endroit. Les scientifiques de l'Ifremer savaient bien que la dorade royale avait la bougeotte. Mais à ce point-là, aujourd'hui encore, ils en sont très surpris. On savait que le planier était une zone de reproduction, mais on ne savait pas qu'il était connecté avec l'ensemble du golfe du Lion. C'est-à-dire qu'on a des dorades qui ont été marquées même dans les calanques, qui sont aujourd'hui été retrouvées même en Espagne. Sur la côte catalane, précisément. En suivant le son des capteurs, 400 dorades ont emmené les scientifiques en voyage, de la France à l'Espagne. Les premiers résultats ont été décryptés, mais d'autres sont encore attendus. On aimerait savoir effectivement quelle est la fidélité des dorades dans le temps et dans l'espace. Est-ce que ce sont toujours les mêmes dorades qui viennent et est-ce qu'elles repartent toujours dans les mêmes lagunes? Est-ce qu'il y a des populations différentes entre la mer et les lagunes? Est-ce que toutes les dorades rentrent en lagune? On suppose que les grosses moins, mais on a encore voilà, un certain nombre de questions qui se posent. Le succès de cette étude scientifique est tel que d'autres émetteurs sonores devraient être placés sur d'autres poissons. C'est ainsi que la saupe, espèce que les scientifiques pensaient cantonner à un petit espace, se balade jusqu'à 7.